إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Aujourd'hui, on parle un petit peu concernant est-ce que Yaoum Nabi, c'est une fête que les musulmans sont supposés célébrer. Nous tous nous d'accord que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Sayyid al-Bashar, le chef de tout Bani Insan, le même premier qui peut sortir depuis la terre, le même premier qui peut rentrer dans Jannat. Nous sommes d'accord avec beaucoup de bonnes affaires. Mais seulement, la semaine prochaine, est-ce que Zaydi prochain, il y a une petite fête que les musulmans besoin célébrer? Ou bien, j'ai dit prochain, c'est un jour qui est tout à fait normal. Et souvent, nous avons des gens qui discutent, et nous même servi dans le langage que nous avons, mais nous ne pas supposer agir comme ça. Parce qu'Allah Ta'ala finit dire, « Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ilallah » Concernant les potes qui divergent, qui sont énormes, alors, jugement concernant ça, lui appartenir à Allah. C'est vers Allah, retourne vers Allah qui nous peut gagner un bon jugement. Et dans la sourate An-Nisa, Allah t'a dit, si je divergé l'aube en quelque chose, réfère ça ishula, ça mas'alala, réfère ça à Allah, et quand nous veut dire réfère à Allah, c'est réfère à Coran, et aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, je peux gagner une plus meilleure interprétation. Et pour plus meilleure pour vous, pour agir comme ça. C'est-à-dire, votre solution là depuis le Coran et Hadith. Alors, laisse nous un petit peu. Est-ce que, deuxième Rabbi Oulawal, ou bien Yaoum Nabi, c'est une fête pour un musulman. Premier qui fait nous dire, peine à rien pour faire, à cause naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous charia fin déjà fixé nous une fête. Donc, nous peine pour nous introduire une nouvelle fête pour nous. Anas, radiallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Madina, et il fin trouve qu'il va en habitant Madina, tu peux jouer, tu peux amuser, dans des jours. Donc, je ne prends ça comme des jours pour fêter, pour amuser. Il dit, ben là, qui était sa des jours là? Ben là, j'ai dit, avant l'islam, venir, nous peux habiter, amuser, jouer dans sa des jours là. Il dit, avec ben là, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Ça rapporté par Imam Abu Daoud. Certainement, Allah fin donne ça. En échange de sa désoula, la désoula qu'ils ont fêté là, Allah Ta'ala fin donne des plus meilleurs jours qui ça. Qui ça désoula ça? Idul Adha et Idul Fit. Les types bien capables de dire, ben là, Allah fin donne un baksis, il donne un bonus, il donne jour mon essence aussi pour fêter. Le type fait des jours, Allah Ta'ala donne un bonus, jour mon essence aussi, fêter là-dedans. Il n'y a pas de cause dans rien. Pour son naissance, l'insiste mention, Idul Fit et Idul Adha. Un autre hadith qui est toujours dans Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Yawm Arafa wa Yawm Nahri wa Ayyam Tashrik, Riduna Ahl al-Islam wa Hiya Ayyam Aklin wa Shurbin. Les Jazou Arafat, Ezou Kurbani, Eban Ayyam Tashrik, c'est les 11, les 12 et les 13 Zulhijjah. Ça croit-là considéré comme Ayyam Tashrik. C'est nous ban fait ça, au ban musulmans. Riduna, nous ban fait ça. Au ban musulmans, et c'est ban zou pour manger et boire. Donc, il mentionne là-dedans, là-bas, il donne nous des zou. Ici, il mentionne Arafat, il fait troisième. Zou Kurbani, c'est quatrième. Et après ça, il mentionne les 11, les 12 et les 13. Donc, il fait 7 zou qui les fin donne nous. Ah, zou Kurbani, là, est pareil comme le talan mentionne de Hadith. Donc, là-bas, il mentionne Idul Fit, Idul Adha. Et ici, il mentionne Yawm Arafa et il mentionne Yawm Nah Kurbani. Et ça, trois jours tachik là. C'est six jours. Et à ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer nous que pendant la semaine aussi, ça c'est une fête pendant l'année, mais pendant la semaine, nous avons une autre fête. Il dit d'un par un ben vendredi, qu'il peut cause avec ben Jimoun, l'indi avec ben là. Ma'ashir al-Muslimin, inna hadha yawmun ja'alahum Allahu lakum rida, faghtasilu wa alaykum bis-siwa. Au ban musulman, certainement ça, à l'otienzou, vendredi, il peut causer ban là, il dit certainement ça, c'est un jour qui, Allah fin fait ça, vin une fête pour eux, djangalahumallahu lakum rida. Allah qui fait ça, vin une fête pour eux, alors baignez là-dedans et servez eux mes soirs, nettoyez eux les dents.
Donc, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annonce nous qui nous ouvre une fête de la semaine, c'est vendredi. Et Omar radiallahu anhu, une fois, un juif qui vient avec lui, et il dit oh, Amir al-Mu'minin, il a une ayat de ce livre. Si nous, un juif, ça, tu révèles le nous, tu descends le nous, sans aucun doute, nous, tu peux prendre ça, jour qui ça, ayat là, fin révélé, comme un jour de fête, le juif là qui est là. Nous, tu peux prendre ça, un jour fête, nous, tu peux amuser, nous, tu peux fêter, par autres l'esprit. Omar radiallahu anhu, il dit qui ayat te veut dire? لجيس آية لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أزوجي من كومبليت بوزت زد دين قلت الله تعالى جاء أزوجي من كومبليت بوزت زد دين إمو فين بافي إمو فين كومبليت من نعمت مفافي لوزت إمو فين ساتسفي أبك الإسلام كمن مد دفي بوزت إمو فين ساتسفي أبك الإسلام كمن مد دفي أن فاسون فيف أن دين بوزت Omar radiallahu anhu qui dit certainement nous connaissons sa jour qui sa ayat là fin descend et aussi place qui lui fin descend l'eau le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fin descend l'eau lui wa huwa qa'imun bi arafa yawma jum'a ça fin descend l'eau lui alors qu'il se fait debout dans arafa arafa c'est 9e Zulhijja vous faites pour nous et lui précise lui dit 7e jour vendredi ça de Bukhari avec muslim. Donc, ben là, tu poses l'esprit que tu peux fêter, juif. Zotte que tu peux déclarer un jour comme fête. Mais pour nous, Allah fin déjà choisir pour faire ayat là descendre un jour qui tu fait de deux façons. Un, tu yaoum arafa, et Allah t'a fin faire salané qui fait hajj là, ce yaoum arafa, il coïncide avec un vendredi. Alors, de deux façons, tu fait pour nous. Allah fin choisir pour compléter sa dina, jour, vendredi. Et nous remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui finit bien explique nous beaucoup de choses concernant nos dînes. Alors, pour une bonne chose qui lui finit dire nous, lui finit dire nous, nous peut n'a droit imiter dans les autres communautés. Et ça, deuxième point qui nous dit, il ne faudrait pas nous faire célébration à cause naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alayhi samina mantashabbaha biroirina. Il n'est pas parmi nous celui qui imite. Les ressembler, ben les autres apportent nous. La tashabbahu bil yahoud, wala bin nasara. Ça rapporté par Imam Tirmidhi. Pas imite ben yahoud, ben zuif, et pas imite ben chrétien. Ben, du monde, l'écart, j'ai dit, comment yaoum nabi, c'est imitation de sa deux groupes-là. Yaoum nabi, c'est imitation de sa deux groupes-là. L'imitation de ben chrétien, dans quel sens, ben chrétien peut faire naissance en du monde spécial. Naissance. Oui, ça, les salam, ben là, peut faire une naissance. Et musulman aussi, ici, il peut faire une naissance. Donc, c'est imitation de ban là. Comment il y a une imitation de ban juif? Ban juif, tu défends ban là. Tu dis ban là samedi par la pêche. Mais Allah Ta'ala, tu testes les autres. Tu fais les autres ban poissons, venir là-haut, plein, clair, visible. Zou samedi là, il teste les autres. Et il dit ban là par la pêche. Vous connaissez que ban là, tu fais? Je te serviens une ruse pour qu'il y ait un poisson pour manger. Vendredi, paye un poisson. Dimanche, paye un poisson. Pas trouvé. Mais samedi, poisson l'a vini. Il dit, ben là, par la pêche samedi. Ben là, mettre zot filet, casier, tout qui nous, zot spécialité. Pour la pêche, zot mettre ça vendredi. Samedi, la main, les pieds, l'aise, reste sec, pas tous de l'eau. Dimanche, ben là, allez, tu as tout à faire. Et pour ben là, pour ça, zot peux trouver, zot peux bien faire. Zot pas mérite punition. Est-ce qu'il ben là, tu gagnes punition ou ça pas ne gagner? Gagne punition. Parce que ça, zot l'esprit ne fait zot croire, il est acceptable ça. Samedi, zot la main, les pieds, l'un sec, pas tous de l'eau. Alors, pas qu'à dire zot, zot la paix samedi. Ben malin, ben filez là, que centimètre ça là-bas, depuis vendredi. Pour que ça n'a sa filet là, est-ce qu'il dit bon qu'il envoie ça, n'envoie ça là-bas? Tu ne sais bien l'esprit pour contourner la loi. Mais si tu dis, réfléchis bien, tu peux trouver mon coupable parce que c'est mon filet. C'est moi qui ai intentionné de mettre ça là. Et qui fait mon pantalon vendredi, mon lestilin, mon envie poisson qui vient, casse là-dedans. Et dimanche, t'es là, tu peux le tirer filet là. Dimanche. Donc, tu es condamné parce que c'est toi qui ne fais ça, délibéré. Mais qui ruise ici, ben là, peut faire. Comment est-ce qu'il va là ressembler les juifs ici? Une fois, je suis avec une personne, tu peux célébrer une naissance, mais c'est ressemblance avec un chrétien. Et ayat Quran, que la koum dinou koum waliyadin. Différents prêts montrés par imite les autres. Chacun fait ce fait, chacun, bizarre, peine ressemblance par imite ben les autres. Vous voyez qu'il dit, ruise ça. Les gens, non, ils ne sont pas pareils, ça. Pas de gens, ils peuvent faire pareil comme un chrétien.
Balla peut célébrer naissance fils de Dieu. Nous, nous pouvons célébrer naissance Rasulullah. Il va pareil ça. Alors, Balla n'a trouvé un zoli qui s'en allait. Pour lui contourne ça, pour lui comment dire, Balla, c'est l'argument qu'il met devant lui là. Il te peut imite les autres. Il te peut compte Coran et Hadith. Il dit non, Balla peut célébrer fils de Dieu sa naissance. Nous, nous pouvons célébrer naissance Rasulullah. Mais tu es d'accord, tu peux célébrer une naissance. Pour capable faire ça paraître acceptable parmi la masse, moi qui donne service, existe Rasulullah et là-bas fils de Dieu. Mais ben là aussi, tu crois qu'il est acceptable. Mais malheureusement, côté Allah, il n'est pas acceptable ce qui va là, ce qu'il fait. Troisième raison qui fait peine à rien pour célébrer, à cause de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam né un jour lundi, au lieu vendredi. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ta'ala fin égard depuis vendredi, ban kiti avant nous. Alors, ban juif fin gay yaoum sabd, fakana li yahoud yaoum sabd. Ban juif fin gay samedi comme jour de fête, wakana li nasara yaoum ahad. Et ban nasara, ban chrétien, zot fin gay dimanche comme jour de fête, faja Allahu bina. Alors, Allah fin amène nous après ça. Donc, yahoud, ban lala avant, in gay samedi. Chrétien après ben là, après juif, chrétien gagne dimanche. Logiquement, il dit Fajar Allahu bina. Allah fin fait nous venir après. Si vous donnez un enfant, quatrième, cinquième, sixième. Allez, complète sa séquence là, bêta. Premier juif, samedi. Chrétien après dimanche. Musulman après. Qui next term de sa séquence là, bêta? Puis là, tu vous dis où lundi, maman? Lundi, maman, ça. Lundi, maulana. C'est bizarre suivre sa logique là. Juif avant samedi, chrétien après dimanche, musulman après, c'est bizarre gagne lundi, comme jour de fête. Mais guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Faja Allahu bina, fahadan Allahu li yawm il jumra. Allah fin guide nous pour nous gagner vendredi. Nous retourne là-bas nous. Il nous donne nous vendredi. Alors, Allah ta'ala fin faire ban zou vin comme ça. Et ban fête normalement, c'est pour nous vendredi, après ban là samedi et dimanche. Et lui dire, nous, nous sommes les derniers de ça, habitants la terre, nahnul akhirun min ahli dunya wal awwaluna yawm al qiyamah. Nous-mêmes sommes les derniers, ummat, l'osa, la terre là. Et nous-mêmes sommes les premiers qui jugement pour faire avec nous, là-haut. Alors, faveur Allah, ban qui pourront de jannat, c'est ban qui pourront en premier, depuis sa ummat là. Mais malheur à ban qui pourront de l'enfer, c'est ban qui premier pour entrer avant ban les autres. Alors, nous demandons à Allah, nous supplions, qu'il fait nous une parole, un habitant, Jannat. Amen. Alors, nous trouvons que dans sa hadith, il montre nous qu'Allah fin de nous au vendredi comme vous faites, qu'il logiquement nous utilisons qu'un lundi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ben là, tu demandes lui, concernant Rosa, qu'il est peut garder, zou lundi, li jazaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun burithtu aw unzila alayya fihi. Il dit ça, c'est un jour qui m'a né là-dedans. Et c'est un jour qui finit envoyement le momission. Momission finit commencer, ou bien finit commence, gagne révélation là-dedans. Alors, il est clair depuis sa hadith muslim là, que son naissance c'était lundi. Vas-tu vous lire? Son naissance lundi, si Allah t'a envie de nous fêter, ça fait nous, tu donnes nous fêter là lundi. Son naissance lundi, chaque semaine nous fêter. Chaque semaine. Tu peux bien se lire? Tu dis, bon, j'ai oublié ça, d'une là, une feuille pas tomber si Allah pas oublié. Tout qui est sous contrôle Allah. Mais son naissance là, c'est Allah qui contrôle ça. Il choisit pour donner nous vendredi, mais il fait né lundi. Est-ce qu'il a aussi passé clair pour gagner l'idée? Mais Allah n'a pas envie de nous célébrer, non? Jour vendredi, c'est plus meilleur jour. D'après Hadith, clair dire, vendredi, c'est plus meilleur jour que le soleil finit de lever l'eau là. Et vous connaissez bien, jour vendredi, il y a combien d'actions qui emplissent ce qu'il est supposé faire, qui différencient ça des autres jours. Tandis que pour lundi, là, on a Jumma, mais lundi, on a Jumma. On a des rakats, là, mais spécial pour faire. Et il y a différentes choses qui nous montraient, jour vendredi, qui nous supposait faire, mais lundi, non. Et il y a une autre raison qui fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui garde Rosa, ben lundi. Il dit, ben action présente devant Allah lundi et jeudi. Et moi, je suis content qu'il m'a une action présente devant Allah, alors qu'il m'a un l'état qui m'a Rosa. Donc, il mentionne encore une autre raison qui fait le spécial d'Oza lundi, parce que son naissance, parce que c'est une révélation, et ça, c'est des kitsos qui concernent lui. Allah crée lui son naissance. Une révélation, c'est un lunaire pour lui, parce que c'est ça. Quand il y a une risalette, il y a le message, c'est ça qui fait une élève lui.
akosam kalispe so bag kalispe stan banlet ti supposé que Muhammad rasoul et Allah en bas tan écrit comme ça l'in plutôt mettre Muhammad en bas rasoul au milieu et Allah là haut ça dit Muhammad c'est ça titre rasoula qui fallait gain valer et valer là in gain depuis Allah c'est comme ça qu'il lispe stan banlet qui pourtant ti supposé écrit Muhammad là haut rasoul en bas et Allah plus en bas non il va me faire comme ça. Parce qu'il connaît bien, lui, Muhammad, c'est sa titre Rasoula, qui Allah finit donne lui ça. Ça vient depuis Allah. Ça qui me fait lui gagner sa valeur là. Si pas tu gagnes sa titre Rasoula, si pas tu gagnes le message, Risalat, ben, il y a des gens qui pareil comme tout le monde, les autres du monde. Donc, c'est sa titre Rasoula qui finit élevé, ça Allah qui finit donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu peux garder lundi, et il peut montrer nous, les gens qui gardent ça parce qu'il y a une action présente devant Allah. Mais est-ce qu'il recommande les gens? Nous avons dans certains hadiths, Abu Dharr radiallahu anhu, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec moi, si tu es là pour garder rosa dans le mois, tu as certains rosa, tu as envie de garder, alors garde 3 jours rosa. Qui ça 3 jours rosa là ça? Les gens gardent les 13, les 14 et les 15. Ils vont dire les gardes 12e. Mais les gens gardent les 13, les 14 et les 15. Et ça, il est rapporté par Imam Nasa'i, Ibn Majah et Ahmad. Fasum, thalatha gashrata, wa arba gashrata, wa khamsa gashrata. Et, quatrième raison qui fait nous dire peine rien pour faire, et la divergence par Imam Ulama concernant moi, et même concernant date naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois, et n'a dit, il finit né de Ramzan. Et n'a pas les autres, il y a même Rajab. Et n'a déjà Rabbi Oul Akhir, et ben les autres déjà Rabbi Oul Awal, et n'a même déjà Safar. Gettez-le au mois là, comme il y a une divergence. Et quand nous venons, l'autre date, et n'a déjà les 10 Rabbi Oul Awal, et n'a pas les autres finissent les 8, et n'a finissent les 9, et n'a finissent les 10, et n'a pas les autres finissent les 12, et n'a déjà même 17, 18, ou bien 22 aussi. Donc, le mois et l'autre date, et n'a divergence. Et il n'est pas drôle pour comprendre, parce qu'il y a un arabe. Je ne sais pas si même connais qu'il y a un rasoul pour venir là. C'est plutôt un juif et un chrétien. Ils ont aussi gagné l'information qu'il y a un dernier prophète pour apparaître. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été dans l'Arabie, parce qu'ils ont envie de trouver ça dernier Nabi là, et soit pour suivre. Mais malheureusement, quand ils ont trouvé, ils viennent par Iman's enfants. De Ismaïl, alayhi salam, ça fait, comme on dit, ils ont été agacés, ils ont été en colère. Ils ne viennent par Iman's enfants de Ishaq, alayhi salam. Mais tu donnes eux un détail concernant le prophète, sallallahu alayhi salam. Alladhina ataynahum al-kitab, yarifunahu kama yarifuna abna'ahum. Ban qui nous finit dans les livres, ban la con sa nabila, pareil qu'on a con, autres enfants. Alors, ban juif, tu viens de Madina, et n'a ban juif, tu restes dans Khaybar, si j'ai autres, il faut apparaître dans la terre qui est dans Pietam, et qui en décolline, à cause ça, qui est une partie sale dans Khaybar, là-bas, c'est une plantation tam, et Madina, c'est une tam, et c'est une colline, ban là, tu peux attendre les sorties. Donc, sa divergence là, concernant date naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour, c'est clair, c'est lundi. Mais date là, sa divergence qu'il y a là, il montre nous qui ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ni ban première génération, je ne peux pas faire aucune célébration sa date là, d'où j'aime Rabbi Oulawal. Sinon, je ne peux pas transmettre ça à nous. Je ne peux pas enseigner nous sa date là. Et surtout qui nous trouve qui ban sahaba, ban la fin enseigne nous beaucoup ban petites choses. Et je ne mentionne date là exacte. Idul Fitr, c'est le premier Shawwal. Zou Kurbani, 10e Zulhidja, Zou Ashura, 10e Muharram, Zou Arafat, 9e Zulhidja. Alors, il y a un qui est arrivé pendant l'année, il y a une date exacte de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait sa divergence là? Qui fait personne pas dire que naissance ça c'était 12e Rabbi Oulawal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'IEM fin annonce ça. Ou bien, aujourd'hui, 12e Rabbi Oulawal, allez venir nous fêter les affaires. Ou pas trouver aucun hadith, que t'en sahabidje. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait telles affaires à cause de son naissance. Il fait telles affaires à cause de son naissance. Il fait telles affaires à cause du j'aime Rabbi Oulawal. À part ce qu'il mentionnait comme Rosalala. Ou pas trouver les autres affaires. Donc, si dans qu'on s'adapte là, tu n'as qu'un bénéfice spirituel pour nous, sûrement, ben là, tu peux transmettre ça. Je veux pas, tu peux négliger ça qui te là. Je veux pas, tu peux cacher ça. Cinquième raison qui fait nous dire, peine un spécial pour faire à cause de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons avoir droit de faire un ribadat de façon qu'il nous voulait. Et c'est plus drôle. À l'époque, ben là, tu peux dire que ça qui est là, c'est une affaire culturelle, ça, coutume, ça. Et la fois, je te dis, il y a quelque chose qui y a un issue fixe, ça. Ce n'est pas une grande affaire, ce n'est pas croyant, ce n'est pas ça qui a été là important, ça. Mais alors, nous pouvons dire ça, il y a une petite chose, que ben là, tu peux dire culturel, culturel. Tu as dit, ben là, ah bon, tu as vu l'appel où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est culture, ça.
Ou bien c'est ribada de ça. Il nous a sauvé de ça. À 16 autres, tout le monde dit, non, bien, ça fait fixe ça. Le fixe, tu connais, maintenant, divergente. Allez, correct. Mais tu sais, un livre fixe qui est écrit depuis avant là. Tu sais, un livre hadith qui est écrit là. Namaz ou l'éclipse. Mais devant un livre hadith, c'est un livre. Devant un livre fixe, c'est un livre. Mais qui fait naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous pas trouver un chapitre devant un livre fixe. Chapitre, naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre, ben, action qui vous a fait à cause naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, tout chapitre, vendredi. À cause du vendredi, qui va nous faire, vous faire, vous tout ça, non? Devant le livre fixe. Et il montre qu'il va en action, vous faire. Mais qui fait le tas, tu as une issue fixe. Mais qui fait, nous va trouver lui là-bas. Qui part, toi, tu as une fête qui se rend dans Dina. Il est drôle. Donc, c'est juste, comment dire, Pérou, tourne pas ici, tourne pas là. Et vous connaissez, quand Djibouni peut couler, les gars, ils vont sexy, ils vont trapper, Emily. Mais pas juste, bon sec qui Djibouni trapper. Quand Djibouni peut couler, les gars, l'alliance sec là aussi, ils vont trapper. Parce qu'il pouvait, il réussit à la tête, dire, il réussit, respire un petit peu. Les gars, son camarade, c'est lui pour risquer, pour commander à couler, toi, laisse-moi monter là-haut. Alors, du coup, les gars, même là, il y a un sec là aussi, il n'est pas pour les aller. C'est même qu'ils ont fait faire. Mais on débat même pour qu'on prouve qui, ça qui sont là, il est acceptable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Iza kana shay'un min amri dunyakum, fa antum a'lamu bih, fa iza kana min amri dinikum, fa ilayya. » Ça rapporté par Imam Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a quelque chose quand il choisit cette dunya, alors je plie comme ça qui moi. C'est-à-dire quelque chose qui concerne dunya, je plie comme comment pour faire, qui bizarre faire. Mais quand il choisit din, je bizarre vient vers moi. Quand il choisit din, je bizarre vient vers moi. Ça veut dire que je viens prendre lit avec moi. Ça me trouve, sallou kamara, hey, tout le monde est au sali. Faire salat, je ne trouve pas faire. Pour hajj, khudou anni manasikakum. Prends votre banrite, comment pour faire Hajj depuis moi, comment faire Umrah depuis moi. Alors, ben Sahaba finit en prendre et finit transmettre. Alors, ici, ici, pour célébrer naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu bizarre trouve qu'il soit, qu'il finit enseigner, qu'il lui montrer son Ummat pour faire. Mais nous trouvons qu'il n'est pas fini recommande Manjiboun même pour, comment dire, bizarre garde Rosa chaque lundi dans Rabiul Awwal. Les autres mois pas garder. Pour ça coïncide avec Zou, son naissance. L'Iban Nidja aussi, God, Rosa, les 12 Rabiul Awwal. Pas trouvé aucun man qui soit pareil. Qui a cause de naissance. Et c'est notre trois dimons qui viennent vivre, ben, épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, question, ben là, concernant ce ben, ribadat qu'il peut faire. Ben, madame, là, il répond, Nidja, il fait ça, il fait ça, il fait telles affaires. Quand ben là, fin de ça, ben là, déjà, écoute, nous étions comparés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il peine à pour rendre compte. Mais nous, nous, là, pour rendre compte. Là, là, un bon, il va nous dire, quant à moi, bon, pour faire un amas pendant la nuit, jamais on va pouvoir dormir à cette heure. L'autre, là, là, dire, moi, je pourrais se garder rosa, je pourrais aller même, jamais on va pas arrêter de garder rosa. Moi, j'aime la dire, moi, je pourrais éviter ben madame, je pas pour mourir avec ben madame. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit vini, ben là, finit informé, trois dimons, tu vini, quand il y a des autres actions, ben là, comme s'il trouve ça, tu guides. Et un lundi, il fait ça, le lundi, il peut faire ça, le lundi, il peut faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finja antumul ladina qultum kaza wa kaza zat mem saban kinja telza fi telza fi amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Quant à moi, bon faire c'est moi par Allah, moi n'ai plus frayé pour Allah et moi n'ai plus taqwa pour lui, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa li jami moi mogad rosa et nazumu pa gade. Vous faites namaz dans la nuit et dans un moment me dormi et me fin marié ben madame faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'est lui qui détestait mon principe, il pas trouvé ce qui m'ont amené suffisant, il pas assez, alors il pas parmi moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dissocié lui depuis ben djibon qui il dit pour faire ribadat par l'esprit, pour faire sa ben ribadat de façon qu'ils ont envie, il dissocié lui, il dit faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tu vas trouver ce qu'il m'a fait à moi. Bon, il n'est pas assez, mais je ne pas parmi moi. Je ne pas me suivre. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait Abu Darda et Salman al-Farisi, radiallahu anhuma, bin frère de Madina. Salman, il a rendu visite à Abu Darda. Il trouve son madame, son linge, l'état négligé. Vieux linge. Il dit qu'il arrive, toi. Il dit que ton frère, là, il peine un goût avec sa dunya, là. Il peine aucun intérêt avec dunya. Après un petit moment, Abu Darda finit venu. Il prépare une nourriture, il dit que Salman mange. Salman, j'ai dit manger. Il dit, j'aime rosa. Il dit, mais Thomas mange ou pas manger, moi. Il me disait manger, il casse rosa. Il va agacer, là. Il dit, j'ai dit, pas garde sa rosa, là. Casse sa rosa, là. Quand il arrive à soir, Abu Darda peut relever pour le faire un amas, j'ai dit, dormi.
Après une semaine, il relevait les bureaux d'Alfred, j'allais dormir. Quand il arrive troisième chez lui, il le verse, nous faisons namaz. Quand il finit de faire namaz, là, là, il dit, ton robe est à droit l'eau, toi. Ton écho est à droit l'eau, toi. Et ton la famille est à droit l'eau, toi. Donne chacun ce droit. C'est-à-dire pas exagéré de faire qu'il soit. Donne chacun ce droit. Abu Darda fin agacé. Félix Hassan Rosa. Et tous les jours, il n'habitait pas dormi, il fait namaz dans la nuit. Tout le monde n'a pas dormi. Un certain lieu, il est là, levé. Il y a le guet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin confirmé l'injalis sadaqa Salman. Salman fin cause la vérité. C'est qu'il n'y a pas là, il n'y a bien fait. Alors souvent, nous t'en demandons du monde, j'ai bien. Et on peut tout faire, ibadat. C'est juste bon qu'il soit, même nous veut faire. Mais ça, Abila, si tu peux faire bon qu'il soit. L'autre droit du monde là aussi, tu peux faire bon qu'il soit, même. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas là, c'est lui qui paye compte, mon principe. Il n'est pas parmi moi. Et ça n'a pas peut tout faire, salat là. Il fait les castres aux là. Donc, où Djabé peut défendre nous faire bon qu'il soit, peut défendre nous contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il défend ta contre lui. Mais si je dois pas faire une question qui peut faire, parce qu'il te ramène une nouveauté dans l'île. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فإنه من يغش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وغضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ça rapporté par Imam Abu Daoud. Il dit certainement celui qui peut vivre parmi eux après moi, il peut trouver beaucoup de divergences. Ikhtilafan kathira. Beaucoup de divergences qu'il peut trouver. Qui peut faire de ce moment-là? Get ce qui Bab Dada fait? Get ce qui mon papa fait? Get ce qui mon enfant fait? C'est ça, solution qu'il nous donne. Get un petit peu qui région t'a resté? T'a resté à dire bon faire correct, t'a raconté faire parce qu'il t'a région qui t'a été ça. L'une précise. L'une dit, faralaykum bi sunnati wa sunnati l'khulafa il mahdiyin al-rashidin. Zot bizas suivre mon principe et principe de ban khulafa al-rashidin. Abu Bakr. Omar, Othman, avec Ali, radiallahu anhum, suivent sa bande-là. Et l'India attrape ça ferme, attrape ça faux, et maude ça avec zot gros les dents. Ça y est, sa qualité-là, attrape ça ferme. Et prend zot précaution contre la nouveauté qui pourrait venir dans l'île. Alors, l'infini annonce nous qu'il pourrait venir la nouveauté qui pourrait venir après lui. Et ben, du monde qui fait ça, zot même, zot reconnaît qu'il s'est fait là, fini à inventer. Il finit à inventer dans l'Égypte, pour que ça n'a une bande fatumine. Ban, qui dit un groupe de ban Shia. Là-bas, ça finit inventé. Et il finit gagner l'ampleur dans à peu près l'année 6e siècle. Regarde combien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Irak. Il commence par ban Shia ici et il prend l'ampleur là-bas dans l'Irak. Alors, ban Jimoula, je ne pas mentionne ici l'Égypte. Je cause plutôt l'Irak. Les rois Muzaffar. Un bon Jimoun. Pour ici, je ne pas cause dans rien parce qu'il souligne que Shia, il a un problème. L'origine, c'est Shia qui fait ça. L'origine. Donc quand un djibon peut suivre ça, il peut faire ça qui est là, c'est pas un fait qui ne commençait par Ban Khulafa et Rashidin. Jamais. Mais les plutôt qui sont qui ne commençait bien, bien loin. Dans l'année à peu près, après 350. Il y en a déjà 352, il y en a déjà 354. Hijri. Get combien loin depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Wahif, il descend. 13 ans dans Makkah et 10 ans dans Madina. 23 ans, il prend pour Coran complété, pour Wahi, terminé. Non, il n'y a pas. Concernant 12 ans, Rabbi Oulawal, qui va une célébration qui vient faire. Et il précise de là, ça va une nouveauté qui peut venir là, il dit, tout va une nouveauté, c'est ban bidra. Et tout va une bidra, c'est l'égarement. Alors, malheureusement, on trouve ban djimoun quand on cause bidra avec lui. Il dit, ok, ça, il peut filmer là, mais c'est non, ça, mais bidra, ça. Il dit, oh, ça, mais bidra, ça. Extra drôle. Comment du monde a agi comme ça? Bidra, c'est un kitso qui nouveau, qui dandine. Tandis que ça, c'est kitso qui dunya, ça. Ça, c'est kitso qui dunya. Ça, c'est dunya. Au parler, c'est dunya. Ventilateur, aircon, c'est dunya. Qu'est-ce qu'on a à faire avec din? Qui, quand on met ça là-dedans, il fait un namaz, il y en a qui sont en plus?
Comme un médecin là, il fait qu'il soit en plus une dandine. Quand il peut filmer ça, quand il peut recorder, il peut faire qu'il soit nouveau en dandine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pervient-il, il veut dire qu'on a une nouveauté. Et il veut dire prends votre précaution parce que cette nouveauté là, c'est légalement. Légalement. Alors sans aucun doute, c'est quelque chose qui n'est pas pour dîner. Mais du monde qui peut pratiquer ça, vous êtes pourquoi je peux pratiquer dîner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ramila ramalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. N'importe qui s'en a qui fait une action qui peine à nous l'autre là, nous pas une cause d'année, nous pas nous montrer dans là. Ça veut dire que Sharia peine aucun prêt de loin ou bien des prêts qui capable supporte ça. Alors action là, résetez, ben frère, pas vous arrêtez de résetez. C'est moi qui veux dire. C'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Imam Muslim. Et là-dedans, ça a dit ça, il ne s'est vu le mot ramalan. Veut dire, il y a un mot indéfini, dans contexte, une charte, une condition. Quand c'est servi un mot indéfini, il englobe tout affaire. Donc, tout qui chose qu'il y a du monde faire, qui n'est pas supporté par le Coran et par le Hadith, il est résété. Donc, aux efforts qui sont capables de passer, ou l'énergie, ou l'argent qui sont dépensé, ou les temps qui sont fin dépenser, pour faire ça qui chose là, tout résété. Quand Allah va gagner, non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi, ou bien ma laysa minhu, fa huwa raddun. Tous les dînes. C'est lui qui fait une invente qui sort dans le dîne, qui pas tient là-dedans. A déjà pas tient à ça avant. Alors, ça qui sort là, il résété. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait simplement Gadrosa lundi. Simplement Gadrosa. À part ça, il ne peut faire aucun autre qui sort. Sinon, ben, sahaba qui transmet, qui lui fait Gadrosa lundi, je suis besoin de dire nous lundi, il peut faire un amana fil en plus. De la nuit. Donc, il vient dire, nous, il peut couper manger, il peut partager en plus, pour montrer une différence. Ce qui ben là, fait une trouve différence. Ça veut dire, les autres jours, pas pour toi, Gardosa, mais lundi, tu peux Gardosa qui fait. Donc, si ben là, tu trouves un amas spécial, dans lundi soir, à cause de son naissance. Soit d'accord, en plus, qu'il peut faire, donation de manger en plus, ben là, tu peux besoin transmettre ça. Mais à aucun moment, ben là, pas ne transmettre, non, rien. Ben là, finzis, fait nous connaître, qu'il se regarde, rosa, ça même tout. Donc, du monde pas capable, ajoute quelque chose en plus, comme si, ce qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin faire, il pas suffit. Donc, au pétro, ce principe passé, ce sunnat pas suffit. Septième raison que fait nous dire, peine n'a pour faire, nous modèle parfait, sallallahu alayhi wa sallam, jamais pas fin montrer nous, comment pour célébrer son naissance. Et pourtant, Allah Ta'ala fait qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Certainement, je tenais dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Parfait, c'est-à-dire qu'on n'a pas copié avec les autres. Dans ce l'exemple qui est là, suffit. Il y a tout là-dedans, il y a tout. Allah qui qualifie le modèle parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Mustadrak Hakim, ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. Pena aucun action qui rapproche zot vers jannat, excepté qu'il m'en finit au don zot pour faire lui. Et pena aucun action qui rapproche vers l'enfer, excepté qu'il m'en finit défendre zot pas faire ça. Donc, dans ce wahi, ce qu'il enseigne ou ce qu'il montre nous pour faire, nous pas trop n'enye qui à cause de naissance. Imaginez un juif déjà avec Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Et j'ai dit, ton habit là, tout ça fait un dans un autre lit. C'est un grand poil toilette, tout lui montrer. Il peut déjà pas de moquerie, lui. Parce qu'il tellement t'a un musulman, il dit, qu'à Rasulullah, qu'à Rasulullah, qu'à un musulman, il y a l'autre, que c'est enseigne, qu'il s'en dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend ça. Et j'ai dit, ton habit là, tout ça fait un dans un autre lit. C'est comment poil toilette, tout. J'ai dit, bien sûr. Il peut faire moquerie, lui. Les jalis, bien sûr, ils montrent nous qu'on a le toilette, faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Imaginez que ben là, ils décrivent comment ils peuvent dormir. Ils donnent nous ça, ben, détail là. Ils peuvent aller au masjid, pour le masjid. Ils par un chemin, ils retournent par un autre chemin. Avant d'y aller, ils mangent tam, zo idul fit. Et ils mangent un chiffre impair. Il y a ça, détail qui donne où là. Ils mangent un chiffre impair. Ben là, j'ai oublié, tu peux rire, parce que son gros, les dents, tu peux paraître. Pourquoi, si tu en as quitte chose, qu'il y fait les 12 rabbis ou la wal, ben, tu peux cacher les, ben, tu peux dire nous. Ben, qu'il soit disant, il y a le trou, il y a mon avis, c'est une fête, je t'allais inventer, ben, prêt. Je t'allais servir, ben, prêt. De loin, je t'allais faire du monde, quoi. Ah, là, et là.
Et parmi les gens de Sahih Bukhari, il y en a Abu Lahab. Abu Lahab, punition diminuée, sac lundi. Il y a un kitso là qui passe sous souffrance, de l'issoulagement. Imagine pour, si ça tient hadith, si ça tient hadith. Abu Lahab est mort après la guerre Bad. Un an après ça, Jimoun Ladj allait faire sa rêve là. Donc, nous de troisième année Hijri là. Parce qu'il deuxième année la guerre Bad. Abu Bakr encore vivant. Omar, Othman, Ali. Othman, radiallahu anhu, bien riche. Si Abu Lahab tu libères un esclave et punition peut diminuer les pays, Ali Mazenko, Abu Bakr, qui tu peux faire? Ali Mazenko, Othman, radiallahu anhu, qui tu peux faire? Il est connu comme Othman et Rani. Mais jamais tu n'as pas hadith ça. Et on peut tout faire au hadith dans Sahih Bukhari. Il n'y a pas de hadith ça. Ibn Hajar, il ne montrait pas hadith ça. Mais ben là, j'ai une preuve là-bas. J'ai une preuve. Et bien là, c'est Vilot qui saute, ben Sahaba, il fait une nouveauté dans Dinata. Ben là, Abu Bakr, ben réuni, dans son époque, il compile le Coran. Il réunit le Coran, il met ça en écrit. Puis quand il fait compilation Coran, c'est l'action de Enba, Ibn Khulafa et Rashidin. Il dit nous, c'est Ibn là. Et c'est une action qui n'est acceptée par Ummat là. Et pour mettre le Coran en écrit, quand ça pose Abu Bakr, radiallahu pour faire ça, il refuse pour faire au commencement. Après, il comprend. Zayd bin Thabit, tu refuses pour faire lui aussi. Tous les deux, puis il refuse. Mais après, je ne comprends, il y a une bonne petite chose. Mais quand il compile le Coran, il met ça en écrit. On gagne un mot en plus de Coran là. On gagne un ayat en plus de Coran là. On gagne surah en plus. Ou bien il reste pareil. Mais ici, tu peux reconnaître, c'est un nouveau kitso. Comment, en tout cas, c'est un événement pareil pour justifier ta nouveauté quand là-bas, n'a rien en plus pas l'arrivée dans l'île. Extra drôle. Allô, Père. Père Allah. Et pas bien, suivi par émotion. Non, Babdada, depuis longtemps, nous faisons nous. Allô, pour respect. Mais pour nous, il préserve Coran et Hadith, allô. Pour nous, il préserve ça. Si tu Babdada, c'est Sabana qui l'a la guidance. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين